Apoyo. C'est Nicolas Bedos. Toi, tu crashes tout le monde. Tu craches sur tout le monde. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu es sur le plateau de télé. Bonjour. Avec ta petite voile. Ou ton petit rire. Tu vas peut-être me dire, moi, j'ai une belle gueule. J'ai une gueule à claquer dedans. Je m'en rasé, j'ai plus de dents, je suis un paraquis. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu te renseignes. Mais je dis quelque chose. Les mecs comme toi, moi, je ne supporte pas. Parce que. Ils aiment bien emmerder leur monde. Mais eux, il faut pas qu'on les emmerde. Alors, ouais, tu fais des buzz sur Internet. Tu fais des buzz sur YouTube. Moi, j'en fais pas. Chacun son truc. Mais il y a une chose qui me dérange chez toi, hein. C'est ta grande gueule. Ça me dérange, ta grande gueule. Parce que quand on est quelqu'un de ton niveau, qu'on passe sur les médias un peu partout, ou à la télé, et qu'on s'amuse à clasher les gens d'autres personnes qui sont du même milieu que toi, quand tu arrives sur les plateaux de télé, ben moi j'appelle ça d'être petit. Hein, c'est petit ce que tu fais, Nicolas Bedos. Y'a rien à faire, moi je sais pas ton cadre. À la seconde où je t'ai vu, j'ai dit ce gars-là, il faut qu'on pète dedans, y'a rien à faire. Alors moi je te le dis, je te pète dedans. Moi. Et des clashs, t'as pas fini d'en avoir. Hein. Il va t'en pleuvoir. Je sais que tu vas me reclasher par après, hein. Peut-être 10 fois plus que moi. Mais on va venir à un moment donné où moi je vais tellement te clasher, tu vas même plus rien comprendre. Tu vas te demander ce qui t'arrive. Parce que tu ne comprendras plus mon langage. Eh ouais. Ou alors il va falloir que tu apprennes le wallon. Le très très vieux français. On va en discuter. On va en discuter. Mais les mecs comme toi, moi. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de quoi passer à la télé. Hein. Tu apportes quoi, télé ? Rien. Comme moi sur YouTube, j'apporte rien, mais moi je l'avoue. Mais toi, tu n'apportes rien. Que de te foutre de la gueule des autres. Ça, t'es champion, ça. T'es un champion hors catégorie. Mais. Des gens comme toi, ça va durer qu'un temps. Hein. Ils vont faire du buzz pendant un temps, ils vont se reconnaître pendant un temps. Un jour, ils vont prendre 2 gifs, on ne verra plus de l'écran. Il y en a d'autres avant toi qui sont passés. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a des dizaines d'autres qui sont passés. Des centaines aux États-Unis. Qui aimaient bien clasher leur monde comme ça. Ils ont fait leur petite apparition. Ça a duré le temps que ça a duré. Et puis, effacé de l'écran. Reclus comme un pauvre malheureux dans son coin. A prié le beau Dieu que... Bah, tu vas peut-être me dire, tu t'en fous, tu gagnes 25 fois ce que moi je gagne. Bah, moi je suis un ouvrier, toi tu es un comédien. Enfin, il ne faut pas appeler ça un comédien. Parce que tu es un minable pour moi. Je trouve pas de mot à dire. Moi je le suis, je le reconnais. Mes vidéos ne m'apportent rien, je le reconnais. Elles ne servent à rien, je le reconnais. Mais moi j'ai le culot de le dire. Tandis que toi tu clashes, tu emmerdes le monde. Mais tu n'as pas le culot de dire que ce que tu fais, ça ne te rapporte rien du tout. Rien. Tu sais, ça te rapporte au pognon. Mais dans ta petite tête, à toi, ça te rapporte quoi? Ah, je crois si, je crois savoir. À mon avis, tu dois avoir une grosse érection, tu dois être comme ça quand tu clashes quelqu'un, à moins que t'as bon. Tu vois, moi je te clash, j'ai pas d'érection. Parce que t'en vaut pas la peine.